Éric Gérard, bienvenue au GAEC du Grand Fleuret à Bois-Trudant. On est trois associés, moi-même, Béatrice, ma femme, et Émeric, notre fils. On a 130 vaches laitières pour faire 1 400 000 litres de lait. On a décidé de prendre ce service parce que on a changé de système de traite, on est passé en robot. Et l'objectif était quand même d'aller chercher du lait. On sentait que c'était un outil indispensable pour être performant et pour atteindre l'objectif des 40 kilos. On reçoit tous les 15 jours un rapport du profil tank. Dans les 24-48 heures, Quentin, on s'appelle et on fait le bilan, on analyse et on voit s'il y a des choses à changer par rapport aux résultats. L'indicateur qu'on regarde en priorité, c'est le confort humain, quoi. Et c'est surtout l'évolution par rapport au contrôle précédent. Le profil tank a permis aussi d'aller plus vite au lieu d'attendre les résultats par exemple du tank pour voir les taux. Là on a des résultats tous les 15 jours qui nous orientent sur où travailler. Donc ça nous a permis d'optimiser les rations déjà à l'auge, mais en plus les plans de complémentation et réglages qui sont faits au robot. Durant l'été, on avait déjà vu des périodes de stress thermique via profil tank. Donc, ce qui nous a permis déjà de déclencher un audit de ventilation pour essayer de résoudre tout ça. On a pu mettre des choses en place au niveau de la ration pour aider les vaches à lutter contre le stress thermique, mais il n'y a pas que de l'alimentation. Il y a aussi des choses à voir sur l'ensemble du bâtiment pour corriger des problèmes de comportement alimentaire où nous, on ne va pas avoir la main dessus. Nous, personnellement, on est content du service. Je pense que celui qui veut performer dans son élevage, c'est un outil qui est vraiment intéressant.